Libérez les otages, Le peuple algérien continue de revendiquer la libération de tous les otages d'opinion, tous les otages qui ont été payés, kidnappés dans la rue parce qu'ils ont osé demander un nouveau système politique, parce qu'ils ont osé demander le départ de toute la SABA. Le peuple algérien va continuer encore, malgré la farce électorale qu'ils ont osé hier pour régénérer le système. Mais le peuple algérien n'est pas dupe. L'opinion internationale n'est pas dupe. Le peuple algérien a boycotté cette élection. Un taux de participation très faible, moins de 5%, ne pourra duper personne. Ils ont remplacé Ben Salah par Tebboune, mais la réalité, c'est que le peuple algérien va continuer à agir dans la rue par l'action pacifique pour dire que nous devons reconquérir notre souveraineté. Nous devons nous-mêmes choisir notre nouveau système politique à travers une révision de la Constitution qui aura lieu à travers un processus électoral dans lequel nous allons associer toutes les opinions politiques, toutes les tendances idéologiques, tous les Algériens, parce que c'est comme ça que se construit les nations modernes. C'est comme ça qu'on construit l'avenir de la jeunesse. Les Algériens, ils sont mobilisés hier, ils sont mobilisés aujourd'hui, ils vont se mobiliser demain, ils vont continuer à le faire jusqu'au jour où on pourra définitivement mettre en place un système politique pour lequel nous sommes sortis depuis le début de ce Hirak.